Good evening, everyone. Hello, hello. Good evening. How are you? I think I'm on time. Hello, Loli. Thumbs up is for sound and video. Okay. Dites bonsoir dans le chat. Pour que je sache que tout, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je vais couper ça peut-être. Alors, good evening Alex, how are you? Hop là. Ok, so, hello Annie, welcome back. Ok, let's start straight away. Commençons tout de suite, hein? Perdons pas de temps. Alex is fine, great. Ok, so, today, aujourd'hui, nous allons commencer une, nous allons faire, hein, tant qu'à faire entièrement, une nouvelle leçon des Miller avec le père, le fils, la fille et la fille. Je vous montre vite fait comme ça en caméra, mais bon, vous savez que je vous décris chaque image de toute façon. Hop. Vous voyez, voilà, en gros, la leçon du jour. Ok, c'est parti, on y va? You ready? You have your pen and paper, your drink of water? Alors, pour ceux qui regardent, sachez que si vous voulez participer, c'est-à-dire répondre, mettre les phrases dans le chat, vous devez vous connecter à votre compte, compte Google, compte YouTube. Hein? Sinon, ce ne serait pas possible d'écrire. Alors, c'est parti. La première image, c'est Monsieur Miller qui reçoit, donc, qui voit... qui vient de recevoir une lettre, d'accord, et il dit, yeah, Loli is ready, ok, let's go then, let's do it. Mr. Miller dit, je viens de recevoir une lettre de Bessie et Geoffrey, je viens de recevoir une lettre de Bessie et Geoffrey. On commence comme ça. Donc, dites-moi ça en anglais dans le chat, s'il vous plaît. Mr. Miller qui parle et qui dit, je viens de recevoir une lettre de Bessie et Geoffrey. Bessie, B-E-2-S-I-E et Geoffrey, G-E-O-2-F-R-E-Y. Mais bon. Boule et bille, si vous voulez. C'est pas grave, on s'en fout. Hello, Phil. How are you? Teacher Flower, hello. Nice one. Donc, la première phrase à traduire dans le chat en anglais, s'il vous plaît, c'est la phrase de Monsieur Miller qui dit, je viens de recevoir une lettre de... Boule et Bill, ou Jesse, Bessie et Geoffrey. It's been a long time. Yes, Phil. Yes, it's been a long time. It has been a long time. Apostrophe S. Oui, j'ai décidé de reprendre les vendredis parce que je pense qu'il y a les vendredis soirs, il y a plus de monde qui peut se connecter en même temps. Donc, Loli is happy to see you. Je n'en attendais pas moins. Alors, donc Loli qui nous dit,
I've just received a letter from Bessie and Geoffrey. OK. Who else? Annie, Alex, écrivez comment on dit en anglais, je viens juste de recevoir, je viens de recevoir une lettre de Bessie et Geoffrey. Alex qui nous dit, I come to receive a letter of Bully Bill. Bully Bill, it's okay. Hello, ça va? Welcome, welcome. Alors, Annie, Phil, voulez-vous essayer? Je viens de recevoir une lettre de Bully Bill, de Bessie et Geoffrey. Non? Ok, réfléchissez un peu. Je vous dis la suivante. Il continue, Mr. Miller continue et dit à son fils et sa fille en fait, à ses enfants, il leur dit, vous êtes en vacances la semaine prochaine, n'est-ce pas? Vous êtes en vacances la semaine prochaine, n'est-ce pas? Alors, je vous dis la réponse de la première. I've just received, Loli avait raison, a letter from Bessie and Geoffrey, or from Bully Bill. I have just received. Il est en train de la lire. Present perfect. I have just, à ce moment-là, je viens juste, hein, de recevoir une lettre. I have just received, ED. A letter from Bessie and Geoffrey. OK? Alors, et la suivante que vous devez dire, c'est, il parle à ses enfants et il dit, vous êtes en vacances la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et il continue en disant, en parlant de Bessie et Geoffrey, il vous invite pour une semaine. Alors, deux phrases. Vous êtes en vacances la semaine prochaine, n'est-ce pas? Il vous invite pour une semaine. Il vous invite pour une semaine. Vous êtes en vacances la semaine prochaine, n'est-ce pas? Il vous invite pour une semaine. Alors, nous avons Loli qui nous dit, You are on holidays next. Next week, avec un X, s'il vous plaît, Loli. Oui, vous avez fait corriger vous-même, merci. Aren't you? Saba qui nous dit, I come just to receive a letter of Bill. C'est pas I come. J'ai corrigé. Hein. Alex avait fait la même erreur. C'est I have just received. I come to receive, quand on dit ça, on pourrait le dire, mais dans le sens, c'est pas du passé. I come to receive, comme si c'était, en général, je reçois. Et ça m'arrive de recevoir. D'accord? Donc, c'est pas du tout le sens qu'on veut ici, hein. Loli, next avec un X, oui, très bien. Phil qui nous dit, I have just received a letter from Bessie and Geoffrey. Oui, Geoffrey en anglais, ça s'écrit GEO2FREY. Mais bon, c'est un nom commun, hein, c'est un nom propre. Ah, les habitudes de Phil qui reviennent au galop et qui demandent, What's new, Loli? Loli qui dit, They invite you. Ah, il faut dire, vous avez. Ah oui, vous avez dit là, Your holidays next week, aren't you? OK. Et la suivante, vous dites, They invite you for one week. Attention au temps là, Loli. Alex qui nous dit, you are on holidays the next week, are not you?
Ah, ok. Quand on fait Ah, chaque fois j'oublie ce mot-là. Antio, on le contracte. Ou alors, si on ne le contracte pas, on va mettre you au milieu, c'est-à-dire are you not? D'accord, Alex? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On dit soit aren't you, A-R-E-N apostrophe T-U, ou alors are you not? OK? Et Loli I'm fine to feel. Ça va, OK, excellent. Feel you on holiday next week, aren't you? OK, Loli, they are inviting you for 1 week. Excellent. You thought about it. Good, Loli. Alex qui comprend. Parfait. Génial. Question tag. Merci, merci. Pourquoi j'arrive pas à me rappeler comment ça se dit? Question tag. Aren't you? Did you? Oh, didn't you? Phil qui dit surely. Olé, ok, excellent. Donc, je vous dis le speech en entier, enfin les trois phrases là. I've just received a letter from Bessie and Geoffrey. You'll, apostrophe double L, you will be on holiday next week, won't you? Alors, si vous avez mis, comme la plupart, you are on holiday, aren't you? Correct. Le mieux, c'est que oui, c'est. Non, les deux sont bien, les deux sont bien. Dans le bouquin, c'est will. You'll be on holiday, holiday singulier, next week, won't you? Donc, won't, contraction de will not, hein? Et enfin, they are inviting you for a week. They are inviting you for a week. OK, la seconde, the second attempt of Loli was better. Good. Ensuite, l'image suivante. L'image suivante. C'est Brian, donc son fils, qui dit, super. Tu vas nous conduire jusqu'à. C'est Manchester. La deuxième image, ici. Hop là. Ici. Tu vas nous conduire jusqu'à Manchester. Daddy? Papa? Tu vas nous conduire jusqu'à Manchester, papa? Alors, dites-moi ça en anglais dans le chat. Brian qui dit à son père, tu vas nous conduire jusqu'à Manchester, papa? Et son père qui lui répond, et c'est là le sujet en fait de cette leçon. Comment on dit ça en français? C'est conditionnel. Je te conduirais si j'avais le temps. Je te conduirais si j'avais le temps, mais je suis très occupée en ce moment. Mais avant, Mr. Miller, on va dire la phrase de Brian, qui est. Yes, Loli. Oh, thank you. Ah, Phil qui dit, I miss you along. Along? What do you mean, Phil? I don't think it's correct, along. Won't you? Will not. C'est won't. OK. Won't you? OK. Loli, great. Ah oui, ce que dit Brian. Loli qui nous dit, great, you are going to drive us until Manchester, Dad. Aha. Oui, traduisez jusqu'à.
Pensez en anglais, Loli. Vous pouvez, vous, je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Et Alex qui nous dit Great, you drive us until Manchester. Ça se comprendra, mais ce n'est pas grammaticalement correct. Bonjour, salut, on dirait tube. Bizarre comme nom, bonjour. Alors, qui nous dit quoi? Je répète la phrase à traduire en anglais. C'est Brian qui dit super. Tu nous. Est-ce que tu. Oui. Est-ce que tu nous conduiras jusqu'à Manchester, papa? Est-ce que tu nous conduiras jusqu'à Manchester, papa? Ah, Saba qui nous dit, Are you going to lead me to Manchester, daddy? Ah, to lead me. Quand il dit conduire, c'est vraiment prendre la voiture, quoi. Hein? To lead, c'est montrer le chemin, guider. C'est pas le bon verbe, Saba. Annie qui nous dit Great, you will drive us. Ça se comprend très bien. Mais ce n'est pas une question. C'est les bons mots, Annie, mais ce n'est pas une. Vous l'avez fait à la forme affirmative, comme un ordre. Le fils qui dit à son père, tu vas nous conduire. Mais là, c'est une question. OK? Ça va qui comprend? Super. Alors, est-ce que j'ai eu la bonne réponse? Où est-ce que c'est parti? Phil et Loli, là. Vous avez répondu à ça? Tu nous conduiras ou tu vas nous conduire? Oui, j'aurais dû dire tu nous conduiras pour vous aider. Tu le conduiras jusqu'à Manchester. Alors, ah oui, Loli, tout à fait. To Manchester, direction, mouvement, to, T-O, to Manchester. Maybe, not maybe, it is. That's it. Alors, on dirait Tube qui dit, je suis un abonné, j'apprends l'anglais et aussi le français, mais le français est more difficult than anglais. Ah. Et quelle est votre langue alors? What is your native language? Annie qui nous dit, Will you drive us? Yes, mais j'avais déjà dit, je crois. Ah oui, vous l'avez. Oui, très bien. Très bien, Annie. Vous l'avez mis à la forme interrogative. Super. C'est ça, tout à fait. Hello, Mocha. Phil qui nous dit, Great, you are going to drive us to Manchester, Dad. You are going to. You are going to. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire au présent progressif, hein, mais c'est quand même la semaine prochaine, quoi. On pourrait dire au présent progressif, Phil, si il y avait une suite. Par exemple, You are going to drive us to Manchester while we sing songs. I don't know. Mais il faudrait une petite suite, en fait. Phil, it's a pleasure to see teacher. I appreciate. Hello. I can't see you. What a shame. OK. Donc, Brian, dans le bouquin, il dit Great, will you drive us to Manchester, daddy? OK. Will you drive us to Manchester? Entre vous tous, vous l'aviez, hein? Donc, la phrase qui est intéressante, c'est la suivante. C'est Monsieur Miller qui utilise le conditionnel ici. Oh, ça doit être flou, hein. Celle-ci, là.
et qui dit je vous conduirai, conditionnel, pas futur, je vous conduirai si j'avais le temps. Je vous conduirai si j'avais le temps. Mais je suis très occupée en ce moment. Alors, réfléchissez bien. Le français aussi, dans les temps ici, quand, vous savez, quand il y a le « si », il y a une règle en français. Eh bien, c'est la même sorte de règle pour l'anglais, de temps. Je vous conduirai à « yes » si j'avais le temps. Mais je suis très occupée en ce moment. Alors, qui nous dit quoi? Nous avons Phil, great, you're going to drive us to Manchester, Dad. Yes, it's a pleasure. Ah oui, j'ai déjà dit. Ok, I know, thanks. Will you drive us to? Oui, tout à fait. Loli qui dit, ah, ouh, refaites ça, Loli. Ah, vous voulez aller trop vite. Je peux même pas le dire. Si, je vais le dire quand même. Je plaisante. Vous avez mis I would driven. Vous entendez, ça sonne pas bien. Hein? Je suis sûre que vous vous en rendez compte quand je le dis. I would driven you if I had time. But I'm very busy at the moment. That is good. Mais la première, refaites s'il vous plaît. Alex qui nous dit I would drive you if I had a time. Oh, interesting. I would drive you, yes, if I had, yes, a time. No. Presque parfait, Alex. Phil, I would drive you if I had time. Mm-hmm. Loli. Loli qui nous dit I would have driven you. C'est encore plus compliqué. C'est correct. C'est, enfin, je veux dire, c'est pas correct pour ce qu'on veut dire là maintenant. Mais ce temps-là, c'est correct grammaticalement si vous aviez voulu dire j'aurais aimé. Non, attendez. I would have driven you. I would have driven you. Attendez. Ha! I would have driven you if I had had the time. C'est en fait du conditionnel dans le passé. I would have driven you if I had had the time. Je vous aurais amené dans le passé, je vous aurais conduit si j'avais eu le temps. Là, on veut beaucoup plus simple. Hein? On veut je vous conduirai si j'avais du temps, si j'avais le temps. Mais je suis très occupée en ce moment. Après, nous avons... Phil, but I'm very busy. Un seul S, Phil. At the moment. Loli, I would drive you. Yes. Je me mélange les pinceaux. Un petit peu. Mais c'est bien, hein, vous cherchez compliqué, hein, par contre. Hein. Phil qui vous dit, don't panic, Loli. Exactly. Annie, I would drive you if I had time. Nice, honey. Nice one. Phil would don't match with a past participle. C'est une question, Phil, ou une affirmation? Je pense que vous parlez de la phrase de Loli, hein? Alors, la bonne phrase... c'est la bonne formule, c'est surtout la concordance des temps, hein, comme en français. Hein, les si n'aiment pas les ré, c'est pour ça qu'on met le passé après le si en français. Et là, après le if, il y a aussi la concordance des temps. I would drive you if I had
H-A-D, H-A-D, D, the time, ok? I would drive you if I have the time. Pas a time. À la limite, pardon, if I had time. Mais c'est un petit peu différent le sens. Le mieux, c'est if I had the time. Et la dernière partie de la phrase, vous l'aviez, hein? But I'm very busy at the moment. Busy avec un seul S. Ok, qu'est-ce que vous me dites? Thinking is not a question. Ok, would don't match. Would, ah, c'est pour ça. Wouldn't match. It wouldn't match with a past participle. Driven. Yeah, exactly. It could. It could. Attention, Phil. It could. Hein? Si c'était dans le passé. Mais là, c'est pas dans le passé. On continue. On va arrêter de s'emmêler les pinceaux. Alors. Mr. Miller qui dit alors avec celle-ci là, il dit à ses enfants un ami à moi, un de mes amis, c'est plus français, un de mes amis. Va là-bas, parlant de Manchester, va là-bas demain. Peut-être qu'il peut alors, attendez, comment je vais vous traduire ça? Peut-être qu'il peut en français, je dirais peut-être que vous pouvez aller avec lui. Peut-être qu'il peut vous amener, on va dire. Peut-être qu'il peut vous amener. Donc, un ami, la phrase à traduire, les deux phrases à traduire sont un ami, un de mes amis, pardon, un de mes amis, c'est une structure, une expression, un de mes amis va là-bas. Demain, va là-bas demain. L'intention d'aller là-bas demain. Peut-être qu'il peut vous y amener, on va dire ça. Faites pas du mot à mot, hein. Alors, un de mes amis. J'ai hâte de voir ce que vous mettez là. Un de mes amis va là-bas demain. Et ensuite, pour les plus rapides, peut-être qu'il peut vous amener ou qu'il peut vous prendre avec lui. Alors, j'attends le petit délai. Je vous donne le temps de réfléchir. Un de mes amis, comment on dit ça en anglais? Un de mes amis. Un ami à moi, on dit aussi en français, non? Un de mes amis. Va là-bas demain. Il peut peut-être vous prendre avec lui. Alors, Loli qui nous dit, One of my friends. One of my friends are going. Oh, wait a minute. One of my friends are going there tomorrow. Whoopsie daisies, Loli. Maybe he could. Oh, dis donc, vous êtes compliqué ce soir, Loli. Qu'est-ce qui se passe? Maybe he could. Ça fait double probabilité là. Take you with him. Ok. Annie, a friend. Ah, presque, presque, Annie. Il vous manque un petit mot. A friend, mine. Hello Leo. Hello. Finally. Pourquoi finally? Qu'est-ce que vous avez eu des problèmes pour vous connecter?
Loli qui corrige, is going. Oui, is, effectivement, c'est one, hein, c'est one friend. Phil, one of my friends is going there tomorrow. He could take you with him. Alex, a friend, go there tomorrow. Alors, n'oubliez pas, si vous utilisez le présent, a friend, c'est la troisième personne du singulier. Dans ce cas, il faudrait mettre goes, G-O-E-S. Hein? La troisième personne du singulier au présent, vous avez un S. N'oubliez pas, Alex. A friend goes there tomorrow, perhaps. Et la suite, Annie, a friend of mine. Exactly. Exactly, Annie. Well done. Well done. C'est une expression très courante, hein? A friend of mine. Un de mes amis, a friend of mine. Leo, non, à chaque fois je loupe le direct. Oh, désolé. Je suis désolée. Alex, ok, excellent. Loli, oups. I'm desperate. No, don't be. My English is so bad. So, no, it's not. It's not. You're searching. No, pardon. You're thinking too complicated. You're trying too hard, I think. Vous essayez trop. Lâchez-vous. Faites au plus simple du moment que c'est. Vous dites ce que l'on veut dire. Facile comme conseil, non? Phil, a friend of mine, exactly. C'est la bonne expression. Alors, Leo qui nous dit non, c'est pas grave, teacher. It's my bad, lol. Oh. Dis donc, c'est la pleine lune, non, ce soir? C'est pour ça que vous flagellez tous. que vous auto-flagellez. Mais au moins vous êtes là, Léo. C'est bien. Alors, Loli, thank you, teacher. Je vais me lâcher. Oui, lâchez-vous. Ok, donc la bonne réponse, hein. La bonne réponse, c'est a friend of mine. Donc, vous l'aviez trouvé. Is going there tomorrow. Ok, a friend of mine is going there tomorrow. Ça sonne plus joli, non? Lio qui rit. Et Phil, keep up the good work, Loli. Yes, everyone, keep up the good work. Ok. Donc ensuite, c'était peut-être qu'il peut vous prendre avec lui. Maybe ou perhaps, comme la dernière fois, n'oubliez pas le H au milieu, il faut le prononcer. Perhaps. He can take you with him. Perhaps he can take you with him. OK? All right. La suivante. Le fils Brian a une idée. Il dit non, papa. J'ai une meilleure idée. Bon, pas la peine que je vous montre la l'image. Il dit, non, papa, j'ai une meilleure idée. Le père, Monsieur Wheeler, qui dit, quoi? Quelle idée? Et Brian qui répond, pourquoi on ne prendrait pas le train? Pourquoi on n'irait pas en train? En français, on dit comme ça, je crois. Hein? Pourquoi n'irait-on pas en train? Alors, il faut traduire. Brian qui dit, non, j'ai une meilleure idée. Quelle est l'idée? Pourquoi n'irait-on pas en train? Alors, qu'est-ce que vous me dites? Give us a good word. A friend of mine is going there. Exactly, Annie. Excellent. Loli, okay, thanks, Phil. I'm just beside you. I'm just beside you. Si vous y êtes physically, oui. Oui. Sinon,
I'm with you. I'm there for you, par exemple. Loli, perhaps, yes, perhaps. Et donc la suite, Loli qui nous dit, No, Dad, I have a better idea. What? Excellent. Why don't we go by train? Donc là, il y a les trois phrases. Qu'est-ce que vous me dites les autres? Phil, No, Dad, I have a better idea. OK. Alex qui dit, No, Dad, I have a best idea. Why we will go us by train? Pourquoi vous rajoutez us? Yeah, oui, hein? La... C'est better. Best, c'est la meilleure. Hein? The best idea, c'est la meilleure idée. Mais une meilleure idée, c'est a better, double T, a better idea. OK? Annie qui nous dit, No, I have. Oh, il y a de l'idée. Yeah, I have one a best idea. Dans ce cas, Annie, vous pourriez dire, vous pourriez rajouter un petit off, c'est-à-dire, No, I have one of the best idea. No, I have one of the best idea. Ce qui voudrait dire, non, j'ai I have one of the best ideas. J'ai une des. C'est compliqué. One of the best ideas ever. J'ai une idée. Une de mes meilleures idées que je n'ai jamais eues. C'est un peu ça l'idée. One of the best ideas ever. Une idée fantastique, la meilleure que je n'ai jamais eue auparavant. Tout ça. Phil, what? Yes. What? Point d'interrogation, hein, pas exclamation. Mais bon, ça s'entend pas. Why don't... Ah, go by train. Vous avez oublié... Oui, d'accord. Why don't we go? Mélangez les deux, là. Phrase. OK pour Annie. Super. Alors, dans le bouquin, ils nous disent, Brian qui dit, No, Dad, I've got, ou I have, you know, hein, I've got, ou to have, c'est pareil. Hein, il y a une vidéo là-dessus entre have et have got. I've got a better idea. J'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée. So, soit vous dites I've got a better idea, comme dans le livre, ou alors I have a better idea. C'est exactement la même chose, hein? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Les deux sont très bons. Le père qui dit What? Et ensuite Brian qui dit Why don't we go by train? Donc ça, vous l'aviez plus ou moins, je crois. Hein? Why don't we go by train? OK? Ça va, vous suivez là? Deuxième page. Alors, Jenny, c'est la fille, donc la sœur de Brian, qui dit, Oh oui! Oh, comment on dit ça? Ça, c'est très british. Ça serait merveilleux. Ça serait super. Ça serait merveilleux. On peut, papa, s'il te plaît? Elle fait sa petite fille, quoi. Hein? Oh oui, ça serait super. Ça serait merveilleux. Est-ce qu'on peut, papa, s'il te plaît? Alors, où est-ce qu'il est mort? Ah, ici. Comment vous allez dire ça? Je vérifie quelque chose ici. Ici.
Donc, Jenny qui dit, la fille, hein, qui dit, oui, oh oui, ça serait conditionnel, ça serait super, ça serait merveilleux. Est-ce qu'on peut, papa, s'il te plaît? Ah oui, ça serait charmant, adorable, ou non pas adorable, agréable, agréable. Alors, Phil qui nous dit, I could not stay all of the course, teacher, I'm so sorry. Oh, I'm sorry too. Never mind, see you next time. Good to see you anyway. Loli qui nous dit, oh yes, it will be marvelous. Can we, can we, dad? Ok, please. It would be, non, on dit, c'est avec un A, je crois. Hein? Marvelous. Je suis pas sûre, je vérifie. Oui, c'est bien un A, hein? M-A, Loli. Alex qui nous dit, oh yes, it is, oh, it is would be. Il y a un peu trop de verbes là. Entre is et would, il faut choisir. Wonderful, it's good, yes. Annie, pardon, Leo. Ah, même erreur, c'est marrant ça. It's will. Alors, c'est. S'il y a will, il n'y a pas le apostrophe s et inversement. Awesome. Super adjectif que j'aime beaucoup aussi, Leo. Phil, more minutes again. Vous restez, c'est ça? Alex, it. Oui, seulement it. Hein? Enlevez le is. Tout à fait, Alex. Loli Marvelous avec un A, tout à fait. Annie, oh yes, it would be nice. Yes, good. Good, Annie. Phil, it would be great. Excellent. Leo, ok, super. Ici, ils utilisent l'adjectif lovely. Hein? Mais c'est bien si. Et elle dit, dans le bouquin, ils disent. Oh yes, that would be, parce qu'il vient de dire, oh, le train, on peut prendre le train. Et elle enchérit sur son frère, elle dit, ah oui, oh yes, that would be lovely. Can we, daddy, please? OK? Mr. Miller qui demande à Mrs. Miller, à sa femme, qu'est-ce que tu en penses, Suzanne? Et sa femme qui répond, oui, je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Oui, je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Donc, d'abord, Mr. Miller, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses, Suzanne? Et Suzanne, sa femme qui dit, oui, je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Suzanne? Oui. Je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Fille qui dit yes, teacher. Excellent. Good. Leo, it will be awesome. C'est correction d'avant, je crois. Ah oui. Tout à fait, Leo. That's good. That's good. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Suzanne? À traduire. Et Suzanne, sa femme, qui dit, oui, je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Alors, Alex qui nous dit, what do you think, Suzanne? Perfect, yes, Phil, what do you think, Suzanne? Annie, what do you think, Suzanne? OK. Suzanne, en anglais, ça s'écrit Susan. Mais bon, c'est un prénom, donc c'est pas grave.
Et la réponse de Suzanne alors? Oui, je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Je suppose qu'ils sont assez grands pour voyager seuls. Donc, what do you think, Suzanne? It's good, hein? It's good, good, good. Alors, Loli qui nous dit, what do you think about that, Suzanne? Nice, nice one, Loli. Yes, I. Alors, vous commencez toujours très bien et puis il y a toujours qu'un petit truc là. I supposed they old enough. Alors, supposed. Je supposais. Non, c'est pas du passé. Et puis c'est pas un sentiment, mais c'est quelque chose du présent, ça. Hein? Et vous avez oublié aussi Loli, un verbe là pour they old enough. Ok? Phil, I suppose that, oui, that n'est pas obligatoire, mais on peut le mettre. Ah, par contre, there, T-H-E-R-E, non, hein. They, pas there. A big. Oh là là, qu'est-ce que vous me faites, Phil? J'ai du mal à vous lire là. I suppose that there are bigger. To travel alone. Ouh. C'est confus là. Alex, I suppose they are enough tall for to trip alone. For ou to, hein, pas les deux en même temps, hein. Mais il y a d'autres erreurs aussi quand même, Alex. Annie. Yes, I suppose they are enough tall. Alors, attention, quand on dit en français, comment j'ai dit? Je suppose qu'ils sont, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Qu'ils sont assez grands. Quand je dis grands dans cette expression en français, ça veut dire qu'ils sont assez âgés, pas assez grands de taille. Hein, c'est par rapport à leur âge. Donc, on va pas mettre tall. Tall, c'est la grandeur physique. On ne parle pas d'âge, quoi, quand on dit tall. D'où, je me répète, hein, ne pas faire de mot à mot. Hein. Petit aparté. Oui, j'étais où là? Alex, I suppose they are enough tall for. Oui, ça j'avais dit. Annie, j'avais dit. Loli, I suppose that. Pardon. I suppose they are old enough. Ah, that's good. Phil, I suppose they are bigger to travel alone. They are bigger than what? They are bigger, c'est bigger, c'est plus grand. C'est pas le sens qu'on veut ici, hein. C'est vraiment par rapport à leur âge quand on dit ça en français ou en anglais, dans les deux sens. C'est vraiment parce que ce sont leurs enfants, hein. Maintenant, ils sont assez grands, c'est-à-dire qu'ils ont assez matures, on va dire. Pour voyager seul. Et bigger, ça voudrait dire qu'il y aurait une comparaison, hein? Plus grand, plus gros que quoi? Donc, désolé, Phil, c'est non. Et vous dites ensuite, they are too old. Ils sont trop vieux pour voyager seuls, les enfants? Ok, alors, je vous donne la réponse. I suppose, vous l'aviez, they are old enough. Hein? La plupart d'entre vous l'avez aussi.
I suppose they are old enough, assez grand, assez âgé, mais on dit pas ça en français, hein, assez grand en âge, to travel alone, alone, tout seul, to travel alone. Phil, vous l'aviez, les autres, certains autres aussi, hein. To trip alone, a trip, c'est pas un verbe. A trip, c'est Alex. A trip, c'est un nom, c'est un voyage. Hein? To take a trip alone, oui. Mais to travel alone ou to go alone. Ensuite, Jenny, donc la fille qui demande à son père, à quelle heure est-ce que le train part? Ça c'est facile. Et le père qui dit. Il y a plein de trains chaque jour, tous les jours, chaque jour. Il y a plein de trains chaque jour. Jenny qui dit à quelle heure part le train et le père qui répond il y a plein de trains chaque jour. Et Phil qui nous dit sorry teacher, I gotta go. Ok, never mind, thanks for coming. See you soon, Phil. Don't be crazy. It's okay. Alors, Jenny qui dit, à quelle heure est le train? À quelle heure, pardon, à quelle heure part le train? Part, démarre, quoi. À quelle heure part le train? Et le père qui dit, il y a plein de trains tous les jours, pardon. Phil qui dit bye to everyone, to your students, thank you teacher. It was fantastic as course. Excellent, thank you. Ah, Loli qui nous répond. At what time the train leaves? There are a lot of trains every day, every days. Il n'y a pas de S, hein, et c'est attaché, hein. Enfin, ça peut être everyday, oh, everyday. Mais il n'y a pas de S, hein, Loli. Keep up the good work. Bye, 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 Phil. Alex qui nous dit E, ou il manque un T là, je crois. Hein. What time leaves the train? Yours is good. I love you all. Bye, bye, bye. Ok. Every day. Ok. Yes, Lolly. Excellent. Et alors, quelqu'un d'autre pour dire il y a plein de trains. Comment vous l'aviez dit, Lolly? There are a lot of trains. A lot of trains. There are a lot. Oui. Ouais. Alors, je vous le dis, what time does does the train leaves, leave, pardon, sans S du coup. Et le père qui dit, there are lots of trains every day. There are lots of trains every day. Oh, yes, you can do avec un L. There are plenty of trains every day, Louis. Avec un L, hein? Plenty. There are plenty of trains every day. There are lots of trains every day. OK? Allez, on y est presque. Mrs. Miller qui dit, je pense qu'il y en a un vers 8 heures. Je pense qu'il y en a un vers 8 heures. Je pense qu'il y en a. Oui, Loli. Je pense qu'il y en a plein vers 8 heures. Alors, je pense qu'il y en a plein vers 8 heures. Ça, c'est Madame Miller, c'est la mère qui dit ça. À traduire en anglais, je pense qu'il y en a plein. Ah non, pardon. Qu'il y en a un. Excusez-moi. Vers
approximativement, hein, vers 8 heures. Et en réponse à ça, le père qui dit, il faudra que vous vous leviez tôt si vous voulez attraper celui-là. Pensez à l'idée générale que l'on veut dire, hein. Il faudra que vous vous leviez tôt si vous voulez attraper celui-là. Donc, je pense qu'il y en a un vers 8 heures. Il faudra vous lever tôt si vous voulez attraper celui-là. Alors. Je pense qu'il y en a un vers 8 heures. Loli qui nous dit, I think there is one about. Ah. Est-ce qu'on peut dire about 8? Est-ce qu'on peut dire about? Ça ne me semble pas correct. About. Pourquoi ça ne me semble pas correct? Pourtant, I think there is one about 8. Si ça doit être possible. Je ne suis pas sûre, Loli. Désolée. Je ne sais pas pourquoi ça me titille un peu, ce about-là. Et la suite, donc vous nous dites, You have to get up early if you want to catch this train. Nice. Alex, I think there is a one at 8. Ok, alors, enlevez le E. I think there is one at 8. Ça, c'est à 8 heures. Ce n'est pas vers 8 heures. Hein? I think there is one at 8. C'est, je pense qu'il y en a un à 8 heures. On veut. Ah, où j'allais le dire. Ben oui, je vais le dire. C'est around. Vers 8 heures, c'est around. I think there is one around 8. OK, I think there is one around 8. Sous-entendu, o'clock. Around 8 a.m. Yes. Non, pas at. C'est deux prépositions, Loli. At et around, ce sont deux prépositions qui vont pas ensemble. Hein? Enlevez le at et ça sera bon. Et donc, le père qui dit, qui répond, vous allez devoir vous réveiller tôt, vous lever tôt si vous voulez attraper celui-là. You'll have to get up early if you want to catch that one. You will have to. Hein? You will have to get up early if you want to catch that one at 8 o'clock. OK? Around 8. Yes, Louis. Allez, la dernière, c'est pour Madame Miller, la mère, qui dit à son mari, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Expression super courante. Ne t'inquiète pas, en parlant des enfants. Ils ne dormiront pas beaucoup. Ils ne dormiront pas beaucoup demain soir. Ils seront trop excités. Ils seront trop contents, quoi. Ne t'inquiète pas, ils ne dormiront pas beaucoup demain soir, ils seront trop contents. Et c'est le mot de la fin. Allez, petit effort. Ne t'inquiète pas, ils ne dormiront pas, donc future négation, ils ne dormiront pas beaucoup demain soir.
Enfin, demain soir, oui, on dit le soir, mais on veut dire la nuit de demain, quoi. Dans la nuit de demain, ils seront trop contents, trop excités, en fait. Et je vous laisse tranquille après. Juste ça, c'est le mot de la fin. Ne t'inquiète pas. Ils ne dormiront pas beaucoup demain soir, ils seront trop excités. Alors, c'est dur de tenir le coup, hein? De rester concentré, surtout quand on ne voit pas les images. Alors, qui va me faire une proposition? Louis qui nous dit, Don't worry, they will not sleep a lot more night. They will. Vous avez oublié le verbe? Too excited. Presque parfait, il manque le verbe de la fin quand même, hein? Mais c'est un oubli, je pense. Et c'est bon. Don't worry. They'll not sleep. Ah non, on peut pas au niveau de la, on peut pas mettre apostrophe de zèle et not. Il faut soit le contracter, they won't, soit mettre tous les mots, they will not. Mais vous pouvez pas contracter quand il y a la négation, vous pouvez pas contracter que le will. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, Loli. They won't ou they will not. OK? Sleep. They won't sleep much tomorrow ou a lot, c'est bien aussi, hein? Tomorrow night. They will be too excited. Alex, don't worry. They will not sleep. Tomorrow night. Ah, ils ne dormiront pas du tout. They will be too excited. Ok, ça se comprend. Mais là, c'est, ils vont faire la nuit blanche complètement, quoi. Oui. Sans le, bien sûr, Alex. Et Loli qui nous dit they won't sleep. Ok. They won't sleep much. Much, pas beaucoup, quoi. Tomorrow night. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On a juste dépassé l'heure là. Je vous envoie ça par email demain avec les images et les phrases sur PDF. Si évidemment vous êtes inscrit à la liste, hein. Comme ça, vous pourrez la télécharger. Inscrivez-vous si vous ne l'avez pas fait. C'est dans la description pour être toujours au courant des YouTube directs, des YouTube live. Annie qui nous dit Don't worry, they won't sleep tomorrow. Carrément. Oui, c'est une très bonne phrase. Mais ça veut dire qu'ils ne dormiront pas du tout. Hein? Merci. Thank you, Alex. Thank you, Annie. Loli. Phil est parti, Leo, je pense aussi. Thank you everyone. I see you next time and I send you the email tomorrow with the answers. OK? Bye bye. Merci beaucoup. Take care. N'oubliez pas de mettre un j'aime hein, et de partager si possible. Ah, Annie. Bye bye.